Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Attention les amis, ne m'insultez pas de plagieuse ou peu importe, j'ai eu cette idée une semaine avant et j'y ai travaillé seul tranquillement dans mon coin. Donc je préfère prévenir éventuellement et je le redis, je ne regarde pas les autres théories sur YouTube, non. Mais je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui ont parlé de ce personnage, l'alliant à cet autre personnage, enfin voilà quoi. Je sais que c'est assez répandu et ça l'est même en soi je pense sur des forums et compagnie. Mais bon, je me suis basé sur pas mal de choses mais sûrement pas sur d'autres vidéos ou d'autres théories plus complètes. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle sera assez courte. Mais bon, j'espère au moins que vous ne trouverez pas encore le moyen de m'insulter de plagieuse alors que c'est pas du tout le cas. Bon, rentrons dans le vif du sujet maintenant. Je me suis dit que c'était une bonne idée de parler de York, notamment de son avenir. Je ne vais pas revenir sur pourquoi il est logique que ce soit elle le traître. L'affaire est selon moi réglée, il n'y a plus rien à redire dessus. Que va-t-il se passer avec York après l'arc Egghead? Va-t-elle se faire défoncer? Personnellement, j'ai très envie de la voir se faire tabasser, mais je pense qu'il y a quand même des chances qu'elle s'en tire. Dans le chapitre 1079, nous avons vu un navire de Barbe Noire s'approcher dangereusement d'Egghead. Je ne pense pas que ce soit Teach en personne, mais deux ou trois de ses lieutenants. Donc Kuzan, je pense. Je pense aussi entre autres à Lafitte, Katharina Devon et le 10e commandant. Mais pourquoi viendrait-il à Egghead? Eh bien, selon moi, il y a deux possibilités. Soit Teach a ordonné à ses hommes de kidnapper Vegapunk et les Séraphins, ou deuxièmement, le plan d'urgence de York était de les appeler. Nous savons tous comment Teach a commencé son propre voyage, en trahissant Barbe Blanche et son équipage. Mais il n'est pas le seul traître de son équipage, évidemment. Ils sont tous capables de se trahir les uns les autres d'ailleurs. Nous avons Shiryu et Kuzan qui sont également des traîtres. Shiryu était geôlier en chef à Ippendown et Kuzan a quitté la marine après sa défaite contre Akainu. De plus, Teach et son équipage d'origine, Lafitte, Vanogur, Jesus Burgess et Doku, ont trahi le gouvernement mondial pendant Ippendon et Marineford lorsque Teach était encore un Shichibukai. Et maintenant, il se dirige tranquille vers Egghead, là où se trouve actuellement York. York a trahi Vegapunk dans l'espoir de devenir une Taryubito. Mais elle s'est rendue compte qu'elle était utilisée par le gouvernement mondial qui n'a absolument aucune intention de la laisser entrer dans leur rang. Elle n'a donc nulle part où aller en gros. Et si elle rejoignait les pirates de Barbe Noire? Elle s'intégrerait parfaitement dans cet équipage. Il n'y a que des traîtres. Hein. Son cerveau, celui du plus grand génie du monde de One Piece, quand même, hein? A beaucoup à offrir à l'immense puissance de feu de l'équipage. De plus, avec Teach, elle pourrait avoir une chance de devenir Taryubito s'il parvient à atteindre ses objectifs. L'un d'eux, on l'a découvert dans le dernier chapitre, c'est devenir le roi de l'île de la Ruche et on peut supposer qu'il souhaite conquérir le monde à la manière de Xebec. Ce qui est hautement probable, franchement. Barbe Noire utilise tout le monde, c'est un opportuniste. Et si quelqu'un lui sera utile, il n'hésitera pas à s'en servir. Et York peut être utile, avec toutes les connaissances qu'elle a et la technologie qu'elle possède. Avoir un scientifique qui contrôle au moins 4 séraphins et qui connaît très probablement la technologie pour les recréer, est une véritable aubaine pour Barbe Noire. À condition que York ne lui cède pas le contrôle, bien évidemment. Parce que sinon, quick. Ouais. Personnellement, cette idée me plaît. Bon, évidemment, j'y ai repensé avec un peu plus de recul. Et je me dis, bon, bah peut-être que ça se passera pas au final. Mais, personnellement,
Il faut l'envisager, je pense. Et j'aime beaucoup l'idée. Comme ça, York aura beaucoup plus d'importance. Vous savez, York, sa révélation en tant que traître, bon, elle n'a pas eu un grand impact non plus parce que, ben, on connaissait ce personnage à peine, contrairement à Kanjuro par exemple. Kanjuro, la révélation de sa trahison était super bien faite et tout. Ce personnage-là, on le connaissait d'avant. Donc c'est pour ça que ça a eu un impact pour nous, lecteurs. Mais là, pour York, c'est différent. Le personnage, on le connaît depuis peu, la révélation s'est faite depuis peu. Voilà. Donc en soi, même si sa révélation en tant que traître est logique, voilà quoi, on s'en moque un peu royalement du personnage. Et pour qu'elle ait plus d'importance, selon moi, c'est qu'elle rejoigne Barbe Noire et pas qu'elle se fasse détruire comme ça d'un coup. Même s'il est très probable que tous les punks se fassent détruire, dont elle. Je l'admets. Mais bon, je pense que ce serait pas mal qu'elle s'en sorte, tu vois? En tout cas, j'ai vu une autre théorie disant qu'il se pourrait que York soit le 10e commandant titanesque de Teach. Mais personnellement, ben, j'adhère pas à cette idée. Je pense que c'est un perso à part. Ou bien Aokiji, mais vous connaissez déjà mon avis là-dessus. Et évidemment, il y a des fans qui n'adhèrent pas à cette théorie, York qui rejoint Barbe Noire, et qui pensent que York se fera défoncer et ne servira à rien du coup, ce qui est probable, comme je le disais précédemment. Ou bien pensent qu'elle regrettera ses actions et que les Mugiwara et Vegapunk lui pardonneront. Non, pour moi, ce scénario, oubliez ça, il est impossible. Et pourquoi? Eh ben c'est simple. Je m'adresse à ceux qui y croient. Qu'est-ce qui vous fait penser que Vegapunk lui pardonnera après avoir causé le chaos total ainsi que la mort de Chaka? Ce n'est pas une simple erreur puérile qui pourrait être pardonnée, ça, non! De plus, York n'a absolument aucune qualité qui pourrait plaire aux Mugiwara. Même son rêve de devenir une Tōr Yūbito leur fera retourner l'estomac. Et je doute qu'ils puissent apprécier une personne qui rêve de ça. Après tous ces actes, aucune rédemption n'est possible pour elle. Point. Pourtant, oui, les gens peuvent changer, comme le dit si bien Louis dans le remake de Resident Evil 4. Mais franchement, la concernant, oubliez ça, franchement, oubliez ça. Les méchants qui suivent la voie de rédemption, moi j'aime bien imaginer des rédemptions pour tel ou tel personnage. Mais bon, là je m'égare, j'admets, mais pour York, non. Franchement, oubliez ça, c'est de la même manière que Kanjuro, elle est irrécupérable. En somme, il y a deux choix possibles. Soit York se fait détruire, ou bien elle s'échappe et se met au service de Teach. Et je le redis, j'aime beaucoup cette idée, mais encore une fois, il se peut que je me plante totalement. Mais bon, on est sur le thème de la trahison là pour le coup. Et avec l'équipage de Teach, enfin une partie en tout cas, qui arrive à Egghead, eh ben on a le droit de se poser des questions. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et si vous avez votre propre théorie là-dessus, sur York et sur la raison pour laquelle les pirates de Barbe Noire se rendent à Egghead. J'ai hâte d'en discuter avec vous. En tout cas, les amis, il est temps pour moi de vous laisser ici. J'ai bien aimé travailler là-dessus, vous voyez. C'était vraiment cool. Vous pouvez éventuellement me donner des idées de théories dans les commentaires, hein, notamment One Piece. Laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!